Et salut tout le monde, on se retrouve pour le quatrième épisode de Tomb Raider Definitive Edition sur PlayStation 4. Aujourd'hui nous devons... On a toujours les menus options qui arrêtent pas de faire de la merde. Des cuves d'essence. Il faut que je trouve un moyen d'enflammer ça. Donc là voilà, là on va essayer d'avancer un peu. Je suis vraiment désolé pour le menu option qui arrête pas de s'ajouter, c'est toujours pas moi qui le fait. Là je l'ai fait pour vous montrer un peu. C'est pas moi qui l'utilise à chaque fois. Bien avec le patch, je peux mettre le feu en fait. Ah bah voilà, putain, comme ça. Ah non, là j'ai commandé vocale. Peut-être que ça va être mieux. Peut-être vous allez le dire en commentaire, donc je suis désolé, comme je vous le répète, je tombe tout à l'avance. Même si, parce que je connais bien le jeu, je connais même trop le jeu pour... voilà, j'ai jamais fait la Definitive Edition, donc ça, ça fait un peu bizarre. Mais ouais, commande vocale, c'est nul. Genre dire arc, tout ça, là. C'est qu'il n'y a pas ça sur 360. Voilà, donc si vous avez ce problème là, vous savez comment faire du coup. Il s'aime tellement sérieux celle-là. Tous ces trucs. Non, la rate, toujours dans des endroits aussi. Oh putain. Putain. C'est incroyable ça. D'accord, un petit peu. Tu vas mourir. Voilà, ouais, c'est bon. On a cassé le cou maintenant. Oh, c'est incroyable, il se passe que des trucs de merde en ce moment. Oh, c'est insupportable. On te... Ah, mais... C'est trop bien avec le pad. Y'a plus... Oh là là, y'a plus le truc option. Oh putain, c'est incroyable.
Ah ouais, parce que là, putain, c'était vachement chiant. Je sais pas à quel point. Alors, je prends tout ça pour pas vraiment pour rien, parce que ça nous permettra de bien améliorer l'arc quand on aura un nouvel arc. Pour tout améliorer, tout ça, le napalm, exploser, tout ça sera très 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 utile. On a un point de compétence, ça c'est très bien. Une tempête venue de nulle part qui provoque un crash d'avion. Assez pratique pour attendre les ennemis. Excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette tempête, elle est sortie de nulle part. Ces nuages, ils ont comme encerclé l'avion. Écoute Lara, j'ai vu le crash de là où je suis, donc tu ne dois pas être loin de ma position. Viens te mettre à l'abri. D'accord. J'arrive. Ouais, moi je connais bien le jeu. Trop le jeu même. Caméra de merde. Y'a plus d'options. Oh putain. Au bout du quatrième épisode, c'est trop bien. Donc maintenant, s'il y a une faute, c'est pas ma faute. Dans la pistolet obligatoire par contre. Hein. Pardon, j'ai fait 3 tirs dans la tête. Putain, on m'aurait dit que je serais tiré en hélice dans la commandeur. J'aurais pas cru. Il est mort comment? Il est mort de chute. Ouh! Je veux avoir un nouvel arc parce que là, franchement. Cet arc-là, il fait vraiment pas de dégâts. Je trouve qu'il fait. Très bon. C'est le premier arc, quoi. C'est le basique. Mais bon, après, on peut pas lui en vouloir. Hein. Je sais, je parle à la troisième personne d'un arc. Mais bon, enfin. C'est un être humain, un arc, pas du tout. En fait, j'espère que vous passez un bon moment à chaque fois sur le let's play. Ça me semble un bon endroit pour s'accrocher. Oh, y a plus option. Oh là 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 là. Je redécouvre le jeu. Comme je l'ai connu. Oh là là, ça fait plaisir. Aïe aïe aïe. Il y a un truc là-haut. Ah. Là je vais là, je suis mort, c'est d'accord, on ne va pas. Ouais, là j'y retournerai plus tard. Hein. Allez là-haut. Ah je l'ai dit, hein, de toute façon j'ai dit, j'allais peut-être faire un peu plus d'annexes que lors de ma partie principale. Peut-être là on est en mode difficile. Le mode compliqué du jeu et moi ça nous permettrait d'avoir un arc. Ah c'est pour avoir une carte. Non. Pas du tout. C'est pour avoir de l'expérience? Non. Non non, il y a autre chose. Une peau de baie. Sérieux? Ah ouais. Oh putain, je suis déçu. Oh, je suis déçu. Ah c'est fou, il n'y a plus le truc option, donc là on est bien, on va passer. Oh là là, on va passer un bon moment ensemble. Oh là là. Bon bah c'est le dernier épisode que je tourne en avance. Enfin aujourd'hui le 20. Là je parle du 21. Je tournerai la suite le 22. Je suis contente de te voir. Je peux en dire autant. Tout se passait très bien et puis il y a eu cette tempête. Elle est venue de nulle part. Ce n'est pas de ta faute, Lara. C'est moi qui les ai fait venir, Ross. Hé, on trouvera un moyen.
Mayday, mayday. Ici le copilote Jessup de l'avion November 177 Alpha. Allô? Allô? Vous m'entendez? Je me suis blessé en atterrissant, j'ai besoin d'aide. Y'a quelqu'un? Capitaine Jessup, vous m'entendez? J'ai envoyé un fumigène, répondez. C'est pas vrai, il m'entend pas. Je vais à sa rencontre. Non. Son signal est par là. Nous devons d'abord aider nos compagnons. Il faut qu'on se regroupe dès qu'ils auront trouvé Sam. Je peux pas le laisser tout seul là-bas. Je dois lui venir en aide. Parfois, il faut faire des sacrifices, Lara. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Je sais. Je connais les sacrifices. Non. Tu connais la mort. Un sacrifice, c'est un choix que tu fais. La mort, c'est elle qui te choisit. Je ne choisirai pas de le laisser mourir, Ross. Je viens de penser, s'il y a des trophées qui vous intéressent... Enfin, des trophées... S'il y a des défis que vous voulez qu'on fasse sur un jeu... Déjà, je pense vous refaire très bientôt. Voilà, comme ça. Je pose ça comme ça. Je vais peut-être vous reproposer Kingdom Hearts 2. Mais en mode hard, quoi, en mode maître. On attend et on va les tuer un par un. Alors, lui, on attend bien qu'il soit là-bas. Il est là-bas. Ah, c'était pas prévu. Hein. Mais pourquoi dès que je veux faire un truc, les mecs ils tombent? Oh, c'est nul. Au final, on a bien fait de prendre masse truc parce que voilà. Il y a genre de défi que j'aime bien faire aussi. Statuettes. Ah non! Il y a quelqu'un? Ross, je suis là, Reyes. Quelle est la situation? On a suivi un groupe. Mais pourquoi j'ai fait ça? Alors on a fouillé la maison ou pas? Non, on a même pas fouillé la maison. Mais ouais, mais c'est important. Ouais, tu vois. Ah, je fouille beaucoup plus maintenant qu'avant, oui. Là-dessus, c'est sûr. Là-dessus, oui. Là-dessus, on est d'accord. C'est quoi là, hein? Ah, il y a un bouquin. Ah, mais j'ai pas le fusil à pompe encore. J'ai pas le fusil à pompe encore. Quand on l'aura, déjà peut-être que je platinerai le jeu du coup. Et alors ça, alors le platiner, ça va être compliqué parce qu'il faut que je fasse le jeu en multi et j'aime pas trop les jeux multi. Ouais, je prends masse hein. Là franchement peut-être que j'abuse hein. Peut-être que j'en prends un peu trop. Bon, au moins tu vois on a des bouts d'art, on a des trucs comme ça. Ça permet aussi de diversifier un peu le jeu. Et pas tout le temps de faire la même chose, pas que je pense. Voilà le signal. Ça permet aussi de se détendre un petit peu, c'est-à-dire pas faire
pas faire que la quête principale. La quête principale peut être très rapidement rapide. Et là, on peut finir le jeu. Là, tu vois, je me suis levé ce matin, il était 7h45. Si je peux revenir après. Oui, oui. Je fais les défis aussi un peu, ça me permet de gagner de l'expérience. Ça nous en vient de ne fait pas gagner beaucoup, mais bon, 10 plus 10 plus 10, et à un moment donné on en a plein. Ce que tout le monde dit toujours, c'est petit bout, et c'est comme pour les devoirs. On s'avance, et au final, voilà, on s'en sort. Au final, on a tout fait bien avant qu'on nous le demande. Maintenant qu'on nous le redemande et qu'on nous dit « T'as fait ton devoir, Nathan ? T'as fait ton devoir, machin ? » ?»« T'as fait ton devoir ? » ?»« Oui. » ?»« T'as commencé quand ?»« Oh, il y a 6 semaines. »« Il y a 2 jours. »« Ah, d'accord. » »« Alors, on s'avance. »« Tiens, un défi tombeau, on va le faire. » »« Je vous l'ai dit, hein, on allait faire plus d'annexes. Déjà, pour l'année de l'expérience, c'est important. Faut pas l'oublier. » C'est aussi pour discuter un petit peu. Parce que j'ai 2-3 petites choses à vous dire. Concernant les let's play qui vont suivre. Alors j'avais prévu de vous faire Outlast et je ne vous le ferai pas. Là. En fait, j'aime pas Outlast. Là, mais je trouve le jeu tellement court, tellement facile. Alors vraiment, je l'ai fait en normal, je l'ai trouvé très facile. Beaucoup de gens n'ont pas fini le jeu. Moi, je l'ai fini en même pas 2 jours. J'ai bien aimé, hein, mais alors vraiment très très court. Et puis, j'ai pas trop de jeu. Ah. Incroyable, quoi. Ah, c'est laquelle, celle-là? Ah, mon ami! Ça faisait longtemps. Un arc. Mon dieu. On va déjà pouvoir tout prendre, je pense. La cadence de tir déjà. Enfin, tu sais, c'est comme ça qu'on se dit, putain, on est un peu rapide quand même. Je sais pas, après je pourrais utiliser mes points, tout ça. Ouais, c'est cette énigme de merde. Je m'en souviens. Ah mais elle est pas compliquée les livres. Juste il y a un peu trop de temps.
Putain, c'est chiant. Là, je prends 3. Ouais, le menu option ne vient plus, ça c'est trop bien par contre. Ah là là, je redécouvre mon jeu préféré. J'ai bien sûr. Ok, un point de compétence en plus. Est-ce que ça faisait partie d'un plus grand ensemble de ruines? Je sais pas, mais en tout cas c'est magnifique, c'est vital quoi. Allez. Je fais ça pour découvrir deux fois plus de choses et pouvoir avoir peut-être des améliorations en plus. Que des fois, grâce à ça, on peut avoir des améliorations en plus. Combo de l'ascension terminé. Bon, pièce de pistolet, c'est pas trop ce que je recherche, mais genre pièce d'arc, par exemple. Sans être l'arc, c'est l'arme qu'on va le plus utiliser. Il faut l'améliorer à fond dès le début. Là-dessus. Peut pas. On peut faire autrement. On a 22 minutes. Voilà. Je ne peux pas faire ça. Voilà. Bonjour. On va là, mais on doit aller en face à la base. Voilà. Il y a plein de choses en bas. On va aller en bas. Enfin, on fait pas. Et putain, mais c'est... Ouah ! Ça devait appartenir à un marine américain. Est-ce que c'est Marc ? Ouah, la chute qu'on a fait ! Le défi des yeux, on a en prendre 3 de même couleur. Ah non, faut en voler 5. N'importe quoi. Excusez-moi. Ah, on peut pas monter pendant. Monter de là-haut, non? Oui. Hop. Ah, c'est absolument pas un guide. S'il y en a qui se demanderaient si je suis rapide, tout ça, pas du tout. C'est absolument pas un guide. J'aurais bien voulu faire un guide tombé là, mais j'ai jamais fait le 100%. Dégage. Oh! Là, c'est aussi pour un défi. Il y a un trophée, c'est faire ce défi-là. Il y a des défis comme ça qu'il faut faire. Donc, bon. C'est déterminé. Quoi. La vie, on a fait un bordel. Non. Voilà.
faut que j'arrive à l'atteindre. Ouais, attends, on a pas oublié des trucs. Non. Mais on va la réussir, on va le réussir ce défi. Je te le dis. Il en reste 3. Là, pour un corps. Pour un corps, parce que normalement, elle est en dessous. J'aime trop ce truc. Où est-il passé? Au pire, si on en a oublié, moi, de toute façon, je ferai le platine. Je crois pas qu'on en a oublié. Je crois pas parce qu'il y en a, il y en a plein sur notre route. Il y en a une là, par exemple. Ouais. Pourquoi je trouve absolument pas ça. Salut Lara. Ross nous a parlé de l'avion. T'en fais pas, il y a forcément un autre moyen de quitter ce rocher. J'espère. Des nouvelles de Sam? On a suivi sa trace jusqu'à un vieux palais japonais. Ça ne me dit rien qu'il vaille. Tu sais, elle a peut-être voulu, je sais pas moi, visiter un peu. T'es vraiment nul comme toi, Alex. Tâchez d'être prudent, d'accord? Bonne chance. Alex. Je t'aime bien, hein. Mais en vrai, en rejouant au jeu pour la 30e, la 1000e fois, sans déconner. C'est la 1000e fois que je rejoue au jeu. Oh, je suis où là? What? Ah là. Ah mais je vais visiter. Hein. Faut m'excuser. Hein. Oh, j'attends. Là tu vois, ça serait bien qu'on ait... je sais pas, un morceau de d'arme que... Ces ruines sont antérieures à la période Kufun. Kufun. On a 903 matériaux. Un pèlerinage. Alors je laisse cette cinématique juste pour ceux qui découvrent le jeu. Et c'est aussi un peu le let's play HD pour ceux qui veulent découvrir Tomb Raider sur la chaîne. En vrai, c'est incroyable. Capitaine Jessop. Et en plus, on est près avec moi là. Oh mon dieu. On a la moitié du jeu, je pense. Peut-être. A causé beaucoup de problèmes, mais tu es aussi naïve que prévisible. Tu es là. Ils sont là. Tu vas venir, Tu vas venir. Mais je le rappelle quand même, bon après c'est vrai qu'on est quand même à l'épisode 4, je déconne sur moins de 18 ans. Parce que genre de scène là, tu vois, genre c'est un des seuls opus de la série qui mérite sur moins de 18. Je trouve pas que Rise le mérite, tu vois. Ouais, il y a 2-3 scènes violentes, ouais, bah c'est Tomb Raider quoi. Et je sais pas si vous le savez, bon je pense que tous ceux qui sont fans de cinéma le savent, mais le film Tomb Raider de 2010. Je sais plus trop. Aurait dû être ce jeu-là. Aurait dû être inspiré de ce jeu-là. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce jeu aurait dû être inspiré de ce jeu-là. Et j'ai fait. Non, c'est pas un bon film. La sorte, tu me dis si c'est un bon film. Je fais joue à Tomb Raider. Tu verras, c'est un très mauvais film. Mais il n'y a pas joué. Si on me demande version PS4 et version 360, je dirais version PS4, je trouve la version beaucoup plus jolie. Mais vrai qu'il y a quand même des choses assez compliquées. Par exemple les trucs vocaux. Genre j'aurais su qu'on pouvait les enlever. Depuis le début ça m'aurait évité de rager pendant plusieurs heures quoi.
Ah, le jeu n'est pas long, hein. Le jeu est très court. Si on regarde bien, le jeu est très court. Là, par exemple, on va avoir une nouvelle arme. Que cette nouvelle arme-là, on va devoir l'utiliser quelques fois. Et c'est ce que j'ai dit, hein. J'ai dit de toute façon dans le... Ah bah. Il n'y a même pas besoin de dire l'arme que ce sera parce que ça a déjà été dit. J'espère que ce machin marche encore. Ils sont à ma recherche. Ah non, c'est plutôt nous tous qui sommes. On est. Des gens sont à notre recherche. Je ne pense pas qu'ils soient à notre recherche à nous. Enfin, oui et non. Je déteste les tombes. Une reine solaire et les gardes tempêtes. Ce serait ça ce que je viens de voir. Emiko. La première reine solaire, c'est bien le Yamatai. Et tu es vraiment là. Et tu es vraiment morte. Sorte de rituel du feu. Un rituel de sacrifice. C'est horrible. Mais pourquoi brûlait-il des femmes comme ça? Un voyage. Un pèlerinage vers... Est-ce que c'est bien ce monastère? De l'eau qui coule. Mais pourquoi? Te voilà, reine. Mais non, ce n'est pas de l'eau qui coule, c'est un transfert de pouvoir. C'est un rituel de l'ascension pour désigner la prochaine reine. La voilà ! Oh non ! Attrapez-la ! Aucun coup j'ai pris. J'ai pris aucun coup. Donc moi j'ai perdu pas mal de flèches. Ah non, on est à 20 toujours. Bon, je prends les balles de pompe parce que de toute façon on devra les utiliser à un moment donné. Mais pas tout de suite. Et jamais. Mais... Enfin... Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je suis désolé, mec, mais là. La créature, elle a rien de... Enfin, le Oni, parce que ça s'appelle des Oni. Mais aucun respect pour toi. On a deux points de compétence. On va mettre ça dans le castagneur. Pas du tout. Dans chasseur, ouais. Capacité de... Voilà, capacité de munitions, ça c'est bien. Et on est en compétence vétéran. Et on est vétéran, elle a même pas la moitié du jeu, non. On va prendre ça comme ça. Au moins on peut avoir le plus de munitions possible et imaginable. Alors là on va pouvoir avoir 40. Déjà 100 pour en avoir beaucoup plus qu'avant. Là on va être bien. Là par exemple je peux pas faire ça. Alors pas plus.
Chaque et de deux, c'est trop cool. Franchement, ils sont calmes aujourd'hui. Ils sont calmes, ça change de d'habitude. Vraiment, des jours où ouais, c'est la catastrophe. Regarde, là, parce que justement, je suis tout comme chez moi. On doit ton radar, quoi. Là, je vais enchaîner des jours de tournage parce que j'ai besoin de tourner en ce moment. J'ai envie de tourner, je vais tourner du Amnesia aussi. Ouais, mais tu sais, ils sont un peu cons et ils regardent jamais sous eux. Donc... Merci. 6 flèches. Alors là, moi au début, j'ai beaucoup galéré sur cette énigme. Elle est vraiment très facile. Ouais, mais elle est très facile. En gros. Ce jeu, c'est simple, c'est un jeu avec une difficulté que quand t'as pas l'habitude, le jeu est assez dur, hein, lui. Hein. Je vais pas faire le mec, ouais, j'ai jamais donné la mal sur le jeu. Ah, pas du tout. Alors, tous les mecs, tous les youtubeurs ont galéré dessus. Pièce d'art. Ah non mais les mecs, vous me gâtez là. Hein. C'est dans mon anniversaire. Hein. C'est lui mars mon ami. Hein. Ah mais moi en vrai je préfère Tomb Raider là à Rise. Parce que Rise on va dire est deux fois plus long mais. Je sais pas pourquoi je préfère c'est ton Raider Rise. Ah bah oui bah alors là ouais. Excusez-moi j'étais en train de faire autre chose. Je suis pas concentré.
Ouais, c'est vraiment pas comme ça. Sam, est-ce que les autres sont avec toi? Non, j'ai juste réussi à voler une radio à un garde. Un garde? J'ai été enlevée. Quoi? Où es-tu? Je sais pas, un vieux palais japonais. Ils arrêtent pas de parler d'un rituel de feu. Lara, j'ai vraiment peur. Merde, j'entends quelqu'un. Je vais devoir cacher ce truc. Sam? Sam? Un rituel du feu. Comme sur la fresque dans le tombeau. Ross, tu es là? Bon les amis, les autres y sont enfermés. Je vais m'arrêter là pour cet épisode 4. Let's play. Je vous retrouve dès demain pour la suite. Portez-vous bien, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si c'est moi encore déjà fait. Bye bye tout le monde.